Eh bien, bonsoir, c'est Taco, c'est bienvenue aujourd'hui, on se retrouve. Eh bien, écoutez, pour le deuxième épisode de Scrap Mécanique, et ça faisait un petit peu longtemps que du coup on attendait la suite, hein, voilà. Et donc, on est toujours en compagnie du grand et du magnifique George Lucas. Hein. Bonsoir, Taco, ça va? Oui, ça va, t'es toujours Cadeau. huilé. Oh, je suis plus. Et les mecs, bonjour, tu sais, le mec, il a un coup de matraque sur la tête, c'est... Voilà. Bonjour, je suis russe. Bon, j'aime pas votre tête. Il faut un peu la remodeler. Voilà, tu sais, c'est un putain de fioul, tu sais. Donc, les amis, aujourd'hui, on se retrouve du coup sur notre petit serveur, tout pas piqué des hannetons, Squat Mécanique. Donc là, vous êtes en train de vous dire, mais oh, il a fait des modifications, un truc de fou, il nous a pas entendu. Eh bien, écoutez, voilà, on va vous faire... L'autre, il gémit, tu sais. On va vous faire une petite visite en flotteur biplace. Hein, voilà, c'est comme ouais, ça que c'est nous l'avons appelé. Ouais, c'est un flotteur Ivan. Voilà, voilà. Vas-y, bon, j'ai... Alors, ouais, alors, notre petit pylône. Alors, le petit pylône, on l'a juste... Enfin, je l'ai juste modifié. Ça, c'est moi qui m'en suis occupé en grande partie. J'ai rajouté des petits thrusters et deux petits moteurs de façon à faire tourner le bearing. Comme ça bug pas. Et vous voyez, ça marche... plutôt bien. Je crois que les abonnés ont vu quelque chose venant du mur. Ouais, après. Donc ici, oui. Les maisons comme d'habitude. Voilà, donc moi j'ai juste un petit peu décoré, j'ai rajouté 2-3 panneaux, quelques aréations, ici 2-3 transformateurs électriques juste pour le style. Et bon, véhicule personnel et celui de notre ami Lulu qu'on va vous présenter. Hop, attends, putain, j'arrive pas à me poser là, hop. Oh, voilà. Attends, je vais chez moi déjà. Tu me laisses aller chez moi, s'il te plaît? Ouais, vas-y. Je vais ouvrir de l'intérieur. T'ouvre pas, hein. Hop. Alors, attendez, hein, Hop. D'ailleurs, si on a attendu tant de temps pour faire cette vidéo, c'est sûr, et qu'on... C'est parce qu'il y a maintenant une mise à jour qui rend le jeu magnifique. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a une nouvelle mise à jour, plutôt pas de petit hanneton, voilà. Par contre, t'es ouvert. Oui, voilà, merci. Oui, désolé, j'avais. Ouais. Et voici le modèle Uniplace. D'accord. Ah oui. Non, mais elle soulève un petit peu parce que. Le modèle Uniplace du flotteur. On dit monoplace. Je m'en bats les couilles. John Cena. Moi, mon petit véhicule, j'en suis fier parce que. Si vous regardez les vidéos de Oxylac. Il est directement à portée du net. Oui, voilà, du workshop, hein, cette toute belle version, plutôt pas mal. Donc, voici le véhicule original, donc le Warthog de Halo. Et j'ai modifié ce Warthog pour en arriver à ma bagnole personnelle, quoi, un truc de fou. Je l'ai rehaussé, j'ai rajouté des trucs, il est stylé. À l'effigie des oiseaux, j'ai rehaussé les antennes, parce que j'aime bien les antennes, et c'est tout. Tu veux peut-être dilater ton flotteur aussi, toi, George? En fait, je suis juste en train de laguer. Mauvaise connexion à internet. Alors, on va au mur, je crois. Oui, au mur. Donc voilà, donc le mur. Donc le mur. Bon, ce qui est sur le mur en globalité. À part de mon côté un petit changement de couleur, il n'y a aucune modification. Après, sinon, la modification, c'est. You should not pass. Voilà, c'est cette comment dire, une sorte de plateforme pour travailler et mettre les véhicules dessus qu'on a fait avec avec George. Voilà, donc on peut mettre les véhicules sur la plateforme. Voilà, on les fait passer, on peut fermer la plateforme. La déco plutôt sympa. Bon, voilà, et c'est après, plutôt pas mal. Voilà. Nous vous présentons un bien à 90 000 euros qui s'appelle l'Helipad. Oui, les lipades, les lipores, vous appelez ça comme tu veux. Donc voilà, on a fait un petit lipore. Je crois qu'il reste quelque chose. Effectivement, il reste quelque chose. Donc là, nous avons notre petit héliport. Donc si jamais on a des véhicules volants, un truc de malade. Bah ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, rien. le Lucas s'emporte, hein. Il s'emporte. donc voilà, si on a des véhicules aériens, un truc de malade. Donc, voilà. Je crois qu'il y a une dernière partie à montrer qui est assez. Voilà, cool. La dernière petite partie, mon cher George, c'est le circuit. Que si est l'arrivée.
Voilà, l'arrivée, effectivement, parce que quand je l'ai construit, je voulais que ici ce soit le départ et l'autre bout l'arrivée, mais finalement j'ai fait l'inverse parce que c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. On le fait avec un véhicule. On va pas le faire avec mon véhicule personnel parce que vous connaissez. Eh bien, écoutez, on va le faire avec un véhicule plutôt pas mal. Alors, c'est un robot. Comment tu l'appelles, toi, déjà? J'aime bien comment tu l'appelles. Un rover, voilà. Un rover, plutôt pas piqué des hannetons. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que à la base, il était tout nul, tout basique. Oui, oui, il avait deux boutons. Je peux vous montrer l'originel. Oui, voilà, si tu l'as encore gardé, moi, je l'ai pas gardé. Oui, j'ai gardé. Voici le véhicule, le premier. Voilà, le premier rover. Alors, premier voyez, du nom. Ouais, premier du nom, voilà. Donc, modification de suspension. Donc, je l'ai rehaussé. J'ai mis des plus grosses suspensions parce que là, ce sont des petites, comme vous pouvez le voir. Alors que moi, j'ai mis des grosses. J'ai modifié la porte parce qu'elle tapait sur la roue ici. Alors que là, elle touche pas la roue. Voilà. Un truc beaucoup mieux. Bon, si elle la touche quand même, mais bon. Il y a aussi un système très perfectionné de gyrophares. Voilà, un gyrophare, des gyrophares plutôt pas mal. L'intérieur aussi a été modifié. Enfin, voilà, la parabole et tout. Donc, je suis juste en train de m'éclater sur un truc très dangereux, si ça tournait. Voilà, donc, il y a les antennes. J'ai modifié la patate des moteurs. Si tu veux, rentre. On va montrer le circuit aux abonnés comme ça. Vas-y. C'est beau, tu peux y aller. Donc voilà, l'intérieur plutôt cosy maintenant. Bon, pendant ce temps, pendant que Mathieu parlait, Lucas était en train d'utiliser sa caméra. Oui, voilà, parce que sur le toit, il y a une sorte de petite lunette, genre en mode sous-marin, vous voyez. Voilà, un truc plutôt pas mal. Les gyrophares, je crois qu'ils s'arrêtent. Non. Ah non, mais j'avais pas connecté le switch. Bon, ça va. Attends, je connecte le switch. 5 secondes. Bah, attention. Mathieu a bugué. Ouais, c'est ça, effectivement. Hop, switch numéro 4, ça marche, voilà. On va tout allumer, les amis, on s'en fout. Oui. Alors là, le petit. T'as pas allumé l'antenne. Oui, attends. Hop, l'antenne. Robot mini activé. Ça, c'est pas connecté. Et ça, c'est quoi déjà? Ça, c'est la porte. Ah oh merde, ça c'est la porte. Et voilà, donc on va faire la course avec. Donc il est chaud. Mathieu, c'est pas par là, le début. Oui, mais là c'est l'arrivée. Ah oui, pardon. Il arrive même plus. Ça fait un bruit d'enfer, je vais l'arrêter parce que c'est un petit peu chiant. On va juste laisser les gyrophares. On va laisser les gyrophares, ça fait pas de bruit. C'est stylé. Voilà, ça impose le respect, hein, on va dire. Musique épique. Oui, c'est ça, musique épique. Effectivement, Johnny. Où est-ce qu'elle est déjà, la respire de Quelque part là-haut, elle est là. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est avec les trois essieux, c'est que c'est super maniable et super confortable au point de vue suspension. Donc, voici le début. Le départ. Ouais, bah, mets-toi sur la ligne de départ d'abord. Allez, je suis prêt. 3, 2, attends. le mec, il va prendre le flotteur pour moi qui servait de dessus. Un, tu sais. Stop! Allez, c'est parti, les amis. Donc voilà, on fait la petite course juste pour vous présenter un petit peu le parcours. Donc, qui servira du coup pour un petit peu nous tester nos véhicules quand on fera des défis en compagnie, derrière le mur. Hein, voilà, donc. Si vous avez des idées de véhicules que vous voulez qu'on fasse, mettez tout ça dans les commentaires pour le prochain épisode. Parce qu'aujourd'hui, on va faire autre chose, une petite surprise après. Aidez-moi, secours les abonnés, il ne sait pas conduire. Mais je suis à fond, hein, mec. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'il est super maniable. Oh, tu sais tourner quand même. Attention, le virage de la mort. Non, mais là, c'est une erreur de ma part. Ouais, bah ça, c'est le virage de la mort. Pour un souci de vitesse, du coup, au démarrage, c'est un petit peu. C'est un petit peu Starsky et Hutch, si c'est le mec qui cabre. Là, là, là. Il me saoule avec ce truc. Ouais.
Pourtant, tu sais, mon véhicule personnel, j'y suis resté longtemps dessus. 1 minute 10 déjà. Non, mais mon mec, il chronomètre. Il chronomètre. Tu sais, pourtant, mon véhicule perso, là, le Warthog modifié, truc de malade. Ouais, bah, essaie de comprendre. J'ai fait tout mon possible pour qu'il soit le plus maniable possible. Eh ben, écoute, comment ça s'appelle, ce... Warthog. Non, le véhicule que je conduis en ce moment même. Essaie de conduire, s'il te plaît, ce rover. Ah oui, le rover. Pourtant, ce rover est super. Il vient jamais du nom, les gars. Oh ouais, pourtant, c'est un nom super stylé, mais... Allez, allez, passage de la ligne d'arrivée. Oui. Raté. Il est pas passé. Mais si, je suis passé. Ok, bon, je te dis. Attends, arrête de s'appeler. Ouais, à peu près... 1 minute 50. Ah, c'est pas mal, on est en dessous des 2 minutes. Bon, vu que ce véhicule est quand même, bon, une rapidité, bon, voilà, bon, un truc pas trop trop mal non plus, et assez maniable, on va dire que 1 minute 50, c'est le temps de référence, non? Ouais, c'est le temps de référence pour les tout-terrains, parce qu'il y aura différentes classes. Ouais, oh putain, merde. Et quelle erreur. Oui, c'est vrai qu'il faut... Ouais. Pour le véhicule tout-terrain, lui, il est validé. Waouh, putain, là, t'as vu, là? Il vient du jeu nommé Fallout 4. Oh, mais c'est... Comment il s'appelle déjà C'est un Mr. Andy, aussi appelé dans le jeu Godsworth. Putain, mais en plus... Mais qui tu est sais, le robot il m'épate, ce Mr. Andy. Qui est le robot fait. De compagnie du héros de Fallout 4. Il est trop bien fait, ce Mr. Andy. Même si c'est le chien, normalement, l'ami. On s'en fout. Ça va, moi, j'aime pas les animaux. Allez, on garde suspense ou on dévoile ce que l'on va faire pour la fin de cet épisode. En scène coupe 1, parce que ça va être... J'ai oublié déjà. Nous allons faire un petit téléphérique ensemble de notre base, donc par là, jusque tout en haut de la montagne. Donc je t'invite à monter. Sachant que j'avais construit le début de le début du véhicule, je l'avais sauvegardé grâce au système du workshop. Non, en fait, il a tout simplement trouvé ce workshop. Ouais. J'ai juste m'approprié tout mérite. Le mec, le mérite. J'ai rien branlé sur le serveur, mais il est à moi. Ouais. Allez, vas-y, fais-nous... Ben non, fais le pop-up maintenant. On va choisir l'emplacement d'abord. Oui. Donc, vas-y, monte sur le flotteur double place. Oui, patron. Merci, Thierry. Ouais, c'est vraiment sympa. Alors, du coup, le haut de la montagne. C'est la montagne, là, face à nous, la plus grande. Voilà, ici, on arrivera... ici, donc, le plus haut possible. Hein, ouais, parce que ça va être un peu dur, parce que quand même, pour faire les rails... Ouais, c'est faisable. Au pire, ici, on le fera peut-être un petit peu plus haut, genre. Ou au pire, on pourra peut-être même finir dans un autre épisode. Hein. Oh oui, on n'est pas pressé. Ah si, on est très pressé. Ouais, on est quand même tout de même à 17 minutes d'épisode. J'ai 17 minutes d'épisode. Non, moi, je pense que ce que l'on va faire... On le laisse combien de temps? On va... Bah moi, je pense que le peu de temps qui nous reste, je pense... si c'est le mec. Nope. Je pense que le peu d'épisodes qui nous reste, je pense qu'on va juste trouver la place de l'endroit où on va mettre le téléphérique. Et je pense qu'on construira la suite dans un prochain épisode. Bah donc on met où le début? Moi je pense qu'il faudrait déjà trouver une fente dans les arbres assez dégagée. Bah de toute façon on pourra le faire passer en hauteur. Ouais, mais bon. Genre ici, là, c'est pas mal. Là, il y a l'air de pas avoir trop d'arbres. Tu veux dire, ici, ce sera le début. Ok. Attends, je vais faire le tour. Peut-être qu'on va trouver... Là, c'est le meilleur endroit sur... Ouais, mais là, tu vois, pour la faire passer, là-dedans, le téléphérique, il y a plein d'arbres. Mon gars. On peut trouver... J'ai une fente. Tu vois, entre les deux grands arbres sur la colline. Ah ouais. C'est possible, là, ici, ouais. Mais non, il faut le faire monter haut direct. Attends, tu permets, je te montre juste le terrain à peu près adapté, parce que je suis architecte. Non, pas du tout. Vas-y. Attends, il faut déjà que je réfléchisse à la bonne vue. Ouais, je pense à la merde. Voilà. Ici, il sera. Voilà, ouais, mais attends, il y a la tour, hein.
Il y a notre bordel là. Il y a la tour de repérage. Ah, merci. C'est vrai, j'ai oublié. Non, mais je pense, attends. Oh, attends. Ce lopin de terre serait pas fait pour ça. Et tu parles de celui-là? Le bordel sur lequel je suis là. Oui, celui-là. Ouais, il peut faire. Il peut, mais. C'est un peu. Ben si, regarde, il rase cet arbre. Il passe là. Ouais, il peut contourner. Et il n'y a pas d'arbre, en plus ça sera pépère. Je pense qu'il arrivera au niveau de ce... Je pense que ça ressemble à un chêne, là, de ce bordel là. Ça arrivera à peu près à ce niveau là. Ouais, on fait ça ici. On fait ça ici. Il est un peu trop grand, je crois. De quoi? La station. Trop grand. Pourquoi? On peut pas la non, mais on n'est pas obligé de le mettre sur le lopin de terre. Hein. Je disais ça à la piste, mais là où je suis, là, par exemple. Toi. J'ai perdu Mathieu. Mathieu! Attends, je prends la station. Ok. Le gars. Sadique. Ouais, je pense qu'on devrait la mettre par là et l'incliner. Ouais, bah, attends. Ah, il faudrait faire des piliers de soutien parce que sinon, ça va pas tenir. Genre lui faire quelques petits pis. Adieu! Non! Eh ben. C'était. Ouais, on va faire ça là-bas. On va passer entre ces deux gros arbres là. Ouais. Alors on va. Je vais poser le bloc sur lequel on va le souder. Ouais, et il faut quand même lui faire des piliers. Oui, mais donnez moi. Bah, je te permets, je fais déjà les piliers, ça ira mieux. Non, mais. On va mettre des bearings pour bien l'incliner précisément. Puis après, on mettra les piliers finaux. Final, enfin, dis comme tu veux, je m'en fous. Finon, disons. Voilà. Je sais pas. Comment on dit, le mec sans éducation. On s'en fout totalement, Mathieu. Je t'aime tellement. C'est drogue. Merde, je suis à l'intérieur du truc. Attention, il va le poser. Attention, on va tous l'applaudir. Attention. Oh là 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 là. Par contre, c'est two. Attention, c'est une ligne très haute tension. C'est très chaud. À pas toucher, s'il vous plaît. Hein? Non, rien. Je suis d'accord. Non, c'est juste parce qu'il y a plein de trucs électriques. Trucs électriques, wow. Oh, merde, il est dans le. Il est dans. Dans. Il est dans le néant. Oh merde! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait de la merde. Mathieu, t'as pas un peu abusé avant cet épisode? Oh attends, je la fais d'hip-hop. Okay. Fais la respawn un petit peu plus loin. Voilà. Mettre un plus gros pilier. Tiens, Billy. Plus loin, j'ai dit, Billy. Trop tard. Je crois que je vais me faire broyer. Non! Ah, oh, j'ai survécu. Oh non! Je suis passée à travers la map. Oh, c'est. Quoi? Je suis passée à travers la map, je me suis fait. Tu t'es pris le message? Ouais. Oh non! Encore une fois! Il est repassé à travers! C'est bon, ça va. C'est bon, là, il est à peu près bien. Elle est bien. Ouais, parfait. La voiture est bien. Bon, Billy, qu'est-ce que tu fais, Billy? Là, je pense que ça sera assez haut. Il va pas me péter les boules. D'ailleurs, j'aimerais bien réserver une petite surprise. C'est un bel hélico. Tu te souviens, Mathieu, du premier hélico qu'on s'était montré? Tu te souviens celui... qui avait les deux grosses mitrailleuses sur le côté. Ouais. Oh mon dieu. Pourquoi pas une petite balade avec ce gros véhicule bien dangereux? Tu sais, Mathieu, est-ce que tu sais construire? Ah, j'aurais besoin d'aide en fait. Bon, moi je vais essayer le véhicule. Bon, arrête de mal conduire s'il te plaît. Donc, vu que Mathieu s'éclate, moi je rentre à l'intérieur. Montez à bord du nouveau train. Ok, ça ne bouge pas. No. Je vais mettre un petit... Là. Un petit
Contrôleur. Attends, je peux pas avancer, Mathieu, je suis bloqué. Ah oui, c'est vrai, il y a le petit de sécurité. Je te déteste, sécurité! Bleu. Oui, non, enlève le pas maintenant, le truc rouge. Oui, je te rassure, je l'ai pas enlevé. Juste, je le déteste parce que je peux pas faire le truc. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine envers un si jeune. Bon, t'as fini de jouer à n'importe Nawak? Mais j'arrive pas à le faire tourner, le contrôleur n'est pas assez puissant. Non, tu comptais vraiment le faire tourner. T'es déprimant. Cet homme est totalement fou. Bon, t'as fini là, c'est bien énervant. Y arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, tu vois. C'est encore plus là. On n'a pas fini, tu vois. Bon, pendant ce temps, moi je vais juste poser le véhicule que j'ai envie de montrer à tout le monde. Bon, c'est totalement foireux, donc les amis, on va tout péter, je m'en fous. Bon, s'il te plaît, tu peux attendre un petit peu le temps que je le fasse apparaître? Ouais, vas-y, 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 vas-y. Évite de regarder, s'il te plaît, mets-toi derrière le mur, que Je personne me ne. cache, papa, tu sais. T'es où? T'es caché où? Oh, je suis caché, je suis caché, tu sais, mec. Attention, si tu vois, t'es mort. Hop, vas-y. Attention, attention. Oups. Pierre, il est passé sous les hélices. Putain, il fait lag, hein. Tu Il te fait souviens de lui? tarpin lag. Mathieu, tu te souviens de lui? Non, je veux pas voir. Tu vas vite voir quand je vais te le montrer son nez. Hop, hop, hop. Hop. L'outil weld sauve-nous. Et voilà! C'est bon, c'est soudé, Thierry. Thierry, je décolle! Thierry, Qu'est-ce que tu me t'as vois? fait? Tu te souviens de lui? T'es où? Oh! Putain, pas ça! Si, ça! Oh mon Dieu. Bon, Attends, viens! je fixe le. Oh, il y avait des sièges cachés. Juste... Comment on Ça sort? va bientôt être la fin de la vidéo, là. On est déjà à 27 minutes. Bon, il y aura pas mal de scènes coupées. D'accord. Bon, j'attends le chef Tacos. Monsieur Tacos s'est demandé à l'accueil. J'arrive, Thierry. Ah ouais, Thierry, oui, Bon, je sais pas oui. pourquoi j'ai pris le biplace, ça sert à rien. Jean-Mi! Jean-Mi, t'es là? Jean-Mi! Stop! Salut! Putain, mon truc, il est passé à travers, tu sais. Ah, Tu ça prends la rame, place ça devant, rame. toi tu prends la place juste derrière. Moi je pilote pas. Ça rame. Ça. Oh! Qu'est-ce que t'as Ouais, fait? attendez! Mathieu, attends. Je me Ah, coupe. c'est celui avec le bruit de fou de mitraillette. Comment ça marche, le bruit de mitraillette, en fait? Oh mon Dieu. On va tout de suite arrêter avec ces miniguns. Ou c'est tout simplement que les miniguns, c'est abusé de nos jours. Et ah ta 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 Oui, je Ah! te demande. Mais c'est impossible à contrôler. On devrait peut-être appeler. On est dans Ouvre la le mur. porte! Ouvre le sas! T'as ouvert? T'as ouvert? Ça marche plus. Attends, coupe le réacteur, coupe tout! Oui, j'y arrive pas. Oh merde, attends. C'est le premier switch pour couper Ah! les. C'est bon. Mathieu, coupe. Alors attends, 1, 2, 3, 2, 3, 7. Et! Non! C'est ça! C'est bon! C'est bon! Allez! Éjection! J'ai pris le truc sur le lift dans les airs, mon gars! J'ai le truc sur le lift! Ah, ça lag! Oh, t'as failli mourir, mon gars!
jeu direct. Oh, de la fluidité pour ce jeu non optimisé. Donc les amis, sur ce, après cette découverte de notre nouvelle map, je suis plus fort que toi. Je suis plus bon. C'est mon caillou. Donc moi sur ce, les amis, sur ce délire totalement ultime, sur ce Lucas qui a consommé de la drogue dure. Moi sur ce, les amis, je vous dis bisous et à la prochaine. Non. Ciao. Pourquoi t'es sur les chiottes? Je sais pas.